Le thème de ce soir, le thème que le Seigneur veut nous entretenir sur ça ce soir, s'intitule Les épreuves et la tentation dans le désert. Les épreuves et la tentation dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvons pas parler de désert sans parler d'épreuves ni de tentation. Parce que les épreuves et la tentation, c'est des marques caractéristiques du désert. Bien-aimés dans le Seigneur, et en allant dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on appelle épreuve? L'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur, la qualité d'une personne. L'épreuve, c'est l'action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un. C'est un essai. C'est une expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement nous pouvons faire une nuance très rapide. Parce que lorsque nous allons commencer, nous allons parler des épreuves. Et après nous allons terminer par la tentation. Nous allons parler des deux contenus, ce qu'on trouve dedans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Est-ce que le peuple de Dieu est là pour recevoir la parole? Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Qui est là pour recevoir la parole? Tu es là, tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand nous parlons d'épreuves, en réalité, ça vient du Seigneur. Ça vient de notre Créateur. Ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les épreuves, en réalité, viennent. L'intention pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous éprouve, c'est en réalité pour une bonne intention. Le Seigneur, il veut en réalité que nous puissions davantage craindre. Le Seigneur veut que nous puissions aller d'une dimension à une autre. L'intention du Seigneur dans les épreuves n'a jamais été de nous faire trébucher, de nous faire tomber dans le péché. Et c'est pourquoi nous allons lire rapidement Jacques 13 qui dit: Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne tente pas, parce que lorsque nous allons commencer par développer, nous allons voir que c'est l'ennemi de notre âme. C'est Satan qui tente. Et lui, contrairement à l'objectif du Seigneur de nous faire grandir dans la foi, lui, c'est pour que nous puissions véritablement tomber. Donc en réalité, Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Lisons rapidement Exode 20, versets 18 à 20, pour voir. Oui. Exode chapitre 20, versets 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement.
Il dit à Moïse, pas nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse a dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais on a tout pour nous. Ici, c'est lorsque l'Éternel filait. Au niveau du mont Sinaï, a communiqué les 10 commandements aux enfants d'Israël. Et la voix avait l'aspect d'un tonnerre. Et ils avaient véritablement peur. Et ils voulaient qu'en réalité, que ce soit Moïse qui parle. Le conducteur qui parle. Mais et à Moïse de leur dire de ne pas avoir peur. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant ses yeux, afin que vous ne puissiez pas pécher. Donc toujours dans la même logique, dans ce que nous sommes en train de développer, tout le long du désert, pour ce départ, nous avons dit que même le désert, sa caractéristique, l'une des caractéristiques du désert, c'est l'épreuve, c'est la tentation. Et nous allons voir comment les enfants d'Israël, ils ont été éprouvés dans le désert. Parce que dans ce désert, il y a eu une succession d'événements qui se sont produits. Et nous allons voir comment les enfants d'Israël, Ils ont réagi. Mais avant même d'aller dans le vif du sujet, nous irons rapidement dans Genèse 22, 1 à 12, pour voir comment Abraham, un exemple typique d'épreuve, de comment Dieu qui n'a pas changé avait éprouvé le patriarche Abraham. Oui, nous allons lire. Genèse chapitre 22, verset 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sera son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, dit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons juste là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sous l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton unique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'histoire typique de la façon dont le Seigneur, le Seigneur notre Dieu, il a éprouvé Abraham. Abraham qui est le patriarche des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Nous savons que Abraham n'avait pas d'enfant jusqu'à un certain âge donné. La promesse était là, mais ça n'arrivait pas à exécution. Jusqu'à ce que Abraham et sa femme Sarah, ils ont vieilli, et en réalité, il y avait plus d'espoir. Selon le commun des mortels, selon les hommes. Mais le Seigneur qui ne ment point, le Seigneur qui ne ment jamais et qui accomplit toujours sa parole, qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir, nous avons vu comment, de façon miraculeuse, la promesse s'est concrétisée et Sarah a eu un enfant dénommé Isaac. Donc c'est cet enfant que le Seigneur à un moment donné, cet enfant qui est venu difficilement, qui est venu à la vieillesse, cet enfant qui a été tant attendu, voilà que le Seigneur lui-même, il dit que ce fils que difficilement tu as eu, ce fils que tu as eu dans la vieillesse, je le veux en holocauste. Voilà ce que le Seigneur il disait. Et lorsqu'il lui a dit, nous avons vu la promptitude de Abraham à pouvoir s'exécuter. C'est il n'a pas murmuré, il n'a pas ronchonné. Abraham, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, mais l'obéissance qu'il incarnait, puisqu'il connaissait le Seigneur, son Dieu, celui qui lui a donné cet enfant, il s'est exécuté. Et nous avons vu, lorsqu'il a pris son fils Isaac, et il a commencé par véritablement, il a voulu immoler l'enfant, il est allé sur la montagne pour immoler l'enfant. Il avait tellement espoir. Et même son fils demandait, mais où est l'holocauste? Voici le poids, tout est prêt. Mais qu'est-ce que nous voulons immoler? L'enfant ne savait pas que c'était lui-même que le Seigneur a demandé un holocauste. Et voilà. Lorsque Abraham a voulu s'exécuter, il a voulu véritablement s'exécuter. Il n'a pas fait cas de son enfant. L'enfant qu'il a eu dans la détresse, dans la douleur. L'enfant de la promesse qu'il a eu. L'enfant qui devait perpétuer sa postérité. Il n'a pas regardé à tout ça. Que le Seigneur n'a pas dit, ah, Seigneur, c'est toi-même qui as dit que pas cet enfant. Tu vas perpétuer ma postérité. Il n'a pas dit ça. Il a voulu s'exécuter. Lorsque le Seigneur l'a arrêté par un ange. Et il lui a dit, l'ange lui dit, dans le verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Donc toi, cette épreuve est venue pour véritablement jauger la crainte, la crainte que Abraham a pour l'Éternel, et c'est ça qui lui a valu le titre de père de la foi. Gloire à Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'a pas même voulu faire cas de son enfant. Parce que quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. À tous égards. Donc voilà ce que le Seigneur voulait. Et le Seigneur a vu véritablement. Et le Seigneur a témoigné de Abraham. Quelqu'un craint véritablement le Seigneur. Mais le Seigneur qui n'a pas changé, c'est dans cette même logique qui a fait passer les enfants d'Israël dans le désert afin de pouvoir les éprouver pour juger la crainte qu'ils ont pour l'Éternel, pour les former, pour les faire avancer. Et nous allons voir quelques cas dans la Bible, mais nous allons voir comment eux ils ont agi. Gloire à Jésus Christ. Alléluia. Nous irons rapidement dans Nombre 21, 1 à 9 pour voir quelque chose. Nombre chapitre 21, verset 1 à 9. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, après qu'Israël venait par le chemin d'Atrim, il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je débrouillerai cette ville par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les débrouilla par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Oma. Il partit de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatia, tard et en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une bêche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Amen. Amen. Allez, vous asseoir. Nombre 21 qui dit, le roi Arad Cananéen qui habitait le Midi après qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il a combattu Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens et les dévora par interdit. Eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Orma. Il partit de la montagne de Or par le chemin de la mer pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Donc voilà le comportement du peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur, dans sa volonté, les a fait contourner le pays d'Édom. Et la Bible déclare qu'ils se sont impatientés en route. Et après l'impatience, voici ce qui est sorti de l'impatience. Et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous
vous avez vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée par cette misérable manne. Bien aimé dans le Seigneur, l'impatience. Le chemin était tellement long. Or, c'était de la volonté du Seigneur qu'il puisse passer par ce chemin afin de pouvoir contourner Édom. Mais sous le coup de l'impatience, ils ne voulaient pas se patienter. Et ils ont commencé par murmurer. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La manne que le Seigneur dans sa volonté leur a fait manger. Nous allons lire Exode 16:4. Oui, Exode 16:4. Pour voir rapidement. Exode 16:4. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Oui. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je ne mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Donc, c'était une épreuve en réalité. C'était une épreuve envoyée par le Seigneur. Parce que dans la suite, nous allons voir comment le peuple d'Israël, ils ont murmuré contre le Seigneur quand ils avaient fait. Le Seigneur, dans sa volonté, lui a donné de la manne. Et voilà comment ils sont en train de traiter la manne que le Seigneur, dans sa volonté, lui a donné, lui a accordé. Et dit, notre âme est dégoûtée. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de t'interpeller sur l'impatience. Lorsque le Seigneur il envoie des épreuves, est-ce que tu n'es pas à des moments dégoûté? Même ce que tu as déjà. Bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu avais des difficultés à trouver un emploi dans un moisson, et le Seigneur dans sa volonté t'a accordé la grâce et d'en avoir dans un mois. Mais il se fait que dans ce travail, dans ce emploi que le Seigneur t'a accordé, il y a tellement de difficultés au point tu ronchines comme le Seigneur, tu ronchines comme le Seigneur. J'en ai marre de ce travail. Ce travail est véritablement difficile, alors que le Seigneur est en train de pouvoir t'apprêter à pouvoir avoir mieux. Mais voilà le peu que tu as, le peu que le Seigneur t'a donné, tu murmures déjà contre peu, alors que c'est toi-même qui avais crié que tu voulais un emploi. Bien aimé, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et tout un chacun de nous, nous devons nous mirer au travers de ça. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur, il veut que véritablement nous puissions cultiver la patience. La patience dans les épreuves, parce que la conséquence a été terrible. Lorsqu'ils ont murmuré contre Moïse et contre l'Éternel, nous avons vu que le Seigneur les a châtiés par des serpents brûlants. Et c'est Moïse qui les a sauvés de cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier, lorsque l'enseignant était en train de nous prêcher, il a parlé de la manne étant comme la parole. La parole dure. La parole dure qui ne change pas. La sainte doctrine que nous devons toujours prêcher sans dilution, sans changement. Bien aimé dans le Seigneur, étant membre de l'église,
La parole qui est en train de sortir, la main que le Seigneur nous donne à chaque fois, afin de pouvoir véritablement nous reprendre, afin de véritablement nous censurer, nous mettre sur le chemin étroit. Bien vrai, elle est dure, mais c'est cette parole qui sauve. La parole diluée ne sauve pas. Comment est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que dans ton cœur, chaque fois tu ne dis pas que toujours c'est la répentance, toujours c'est la répentance, c'est la même chose. Prêchez nous un peu la prospérité. Est-ce que ces choses ne viennent pas de ton cœur? Est-ce que tu ne dis pas souvent les messages que nous sommes en train de prêcher? C'est des messages qui te stressent. Seigneur, plusieurs d'entre vous le disent. Et ce n'est pas véritablement bon. Ce n'est pas véritablement bon. Parce que cette parole ne peut pas changer. Parce que cette parole, le Seigneur même nous éprouve. Pas cette parole. Il veut voir, c'est dit, il veut voir. Ton engouement pour résister. Il veut voir comment tu es en train de prendre cette parole. Il veut voir si à un moment donné, est-ce que tu ne vas pas t'étaler. Comme les disciples qui ont suivi premièrement le Seigneur. Et ils ont dit, cette parole, elle est difficile. Qui peut l'écouter? Difficile. Beaucoup l'ont laissé. Et le Seigneur, il a dit, et vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi les accompagner? Est-ce que vous ne voulez pas aussi fuir? Et aux disciples de dire, oui, Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles, de la vie éternelle. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour te dire, quelle qu'en soit la dureté de la parole, reste à ton poste. Supporte cette parole et marche-y, parce que ta récompense est devant. Le Seigneur, il te réserve beaucoup de choses à l'issue de cette parole par laquelle il t'éprouve. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 6 à 8. Pour voir ce que le Seigneur il nous dit. Le Seigneur nous dit quelque chose. Dans 1 Pierre 1, 6 à 8. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 8. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi maintenant? Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi puisse être précieuse que l'or périssable. Et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Dans les épreuves. Quel est ton comportement? Est-ce que tu es attristé? Bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que tu es attristé? Quand les épreuves, ils sont là. Quel est ton comportement dans les épreuves? Pierre ici est en train de nous inciter à recevoir les épreuves telles une joie. Et qu'est-ce qu'il fait ta joie? Qu'est-ce qui fera ta joie dans l'épreuve? C'est l'espérance de voir Christ un jour. Christ n'a pas vu. Mais qu'on compris, qu'on chante, qu'on loue, qu'on adore. Notre joie doit être débordée dans les épreuves. Quand on va penser à la gloire qui vient, nous allons voir Christ.
Nous allons voir Christ dans sa gloire. Christ, Christ il va nous faire asseoir sur son trône. Et nous allons régner avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses à cette gloire, si tu penses à ce qui t'attend, lorsque cette vie d'ici-bas va passer, tu vas voir que la façon dont tu vas, le comportement que tu vas, tu vas déployer lors des épreuves, ce comportement sera un comportement de joie. Alors tu vas commencer par recevoir les épreuves avec joie. Alléluia. Tu vas dire à ton prochain, à celui qui est à côté de toi, reçois les épreuves avec joie. Amortis les épreuves avec joie. Amortis les épreuves avec joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de développer le thème. Les épreuves et la tentation dans le désert. Et nous sommes en train de développer la première partie qui se base sur les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, le Seigneur peut nous éprouver nous-mêmes. Comme la tentation aussi peut venir de façon communautaire. L'épreuve peut venir de façon communautaire. L'épreuve va venir sur toute une église pour pouvoir véritablement voir qui sont ceux qui vont rester. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons que il y a des gens qui sont en train de partir, lorsque les choses commencent pas être dur et que ça vient du Seigneur, nous devons véritablement nous réveiller et nous dire que nous ne devons pas faire partie de cela. Donc, quel que soit ce qui va se passer, nous devons en réalité toujours tenir bon. Nous devons toujours résister. Nous devons toujours en réalité rester à notre poste. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur peut nous éprouver par beaucoup de choses. Tant personnellement que de façon communautaire. Nous allons voir encore un exemple dans Exode 32, 1 à 14. Exode 32, 1 à 14. Exode chapitre 32, verset 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et nous et tous ôtèrent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un vœu en pont. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y en aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau en pente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu.
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou droit. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessous la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu peux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est en train de suivre? Donc voilà encore un cas de figure où toujours dans le désert, Moïse était allé sur le mont Sinaï pour prendre les deux tables de la loi. Et comme il était en train de tarder, il était devant la face de l'Éternel, le peuple étant en bas. Dans le 32, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron, lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas d'où, ne savons pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui connaît des hommes. Ils se sont impatientés toujours, comme le cas où nous avons parlé des serpents brûlants. Ils se sont également impatientés. Et ils ont demandé à Aaron qui était avec eux de faire de leur anneau un veau d'or. Afin que véritablement qu'ils puissent adorer ce veau d'or là. Parce que dans leur empressement, dans leur impatience, ils ont déjà oublié Moïse. Ils ont cru, ils n'ont pas l'espérance que Moïse était toujours en vie. Parce qu'ils se disaient, ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils n'avaient pas l'espérance que le Seigneur était toujours là. Le Seigneur qui a promis les conduits dans le désert jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan. Ils ont perdu de vue tout cela sous l'effet de l'impatience. Et le plus grand péché, le commandement numéro 1 au Saint-Titan, que dans les 10 commandements que le Seigneur leur avait prescrit dans Exode 20, ils ont marché contre ce commandement en se faisant un autre Dieu, en se faisant une idole. Tout cela à cause de l'impatience. Bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur, il a promis faire malheur
Et toi, Panado, en leur sein. Mais lorsque l'Éternel Moïse est encore revenu pour plaider encore le cas du peuple, le Seigneur étant miséricordieux a encore fait miséricorde. Et les enfants d'Israël, ils ont été sauvés de ce que l'Éternel voulait leur faire. L'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dans le Seigneur, très important, la patience. La patience. Nous avons déjà vu deux histoires où le Seigneur met l'accent sur l'impatience. L'impatience, comment es-tu? Comment es-tu lorsque ces moments viennent? Comment es-tu lorsque ces moments viennent? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons résister. Nous devons être patients dans les épreuves, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que le Seigneur lui-même va permettre à ce que cela nous arrive. Nous devons savoir véritablement que le Seigneur lui-même ne va pas nous laisser. Mais ce qu'il veut, la patience. La patience. Bien aimé dans le Seigneur, une chose que nous devons savoir aussi, c'est que le Seigneur, dans sa volonté, il permet à ce que nous soyons éprouvés afin d'être véritablement brisés. C'est pourquoi le Seigneur, voyant qu'un de ses enfants est cupide, voyant qu'un de ses enfants, par exemple, qu'un de ses enfants est cupide, peut le faire traverser dans le désert, dans le désert de la sécheresse financière, dans le désert du chômage. Quand nous voyons ces choses, nous pouvons nous dire, pour nous demander, mais est-ce que cela, ça peut venir véritablement de Dieu? Non, ça peut venir de Dieu. Le Seigneur peut utiliser le mal pour nous redresser. Le Seigneur peut utiliser le mal pour nous briser. Le Seigneur peut utiliser le mal pour pouvoir nous ramener. Il peut nous, pour pouvoir nous ramener sur sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous apprêter à ces éventuelles choses. Parce que je vous le dis en vérité, ces choses ne vont jamais manquer. Les épreuves, ça ne va jamais manquer. L'Église sera éprouvée. L'Église sera éprouvée. Toi aussi, dans ta communion avec le Seigneur. Toi aussi, dans ton intimité avec le Seigneur. Tu seras éprouvé. Devant, dans ton lieu de service. Tu peux être éprouvé par le Seigneur. Dans ton lieu de commerce. Tu peux être éprouvé par le Seigneur. Le Seigneur peut amener une maladie pour pouvoir véritablement te briser, pour pouvoir te ramener. Si c'est qu'à un moment donné tu as quitté la pêcherie, le Seigneur laisse à ce qu'une maladie t'attaque pour qu'en réalité tu puisses faire, tu puisses réfléchir et revenir véritablement à lui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans ces moments nous devons faire vigilance. Nous devons rester patients. Et c'est pour cela même que l'épreuve nous est. C'est pourquoi cela que le Seigneur nous envoie l'épreuve. C'est ce que Jacques 1, verset 2 à 4 dit. Il dit que notre épreuve, notre foi sera éprouvée. Notre foi sera éprouvée. Disons ça rapidement. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, oui. Mes frères, oui. Regardez comme un sujet de joie concrète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia.
Amen. Gloire à Jésus. Donc, ça nous ramène au passage que nous avons lu. Qui nous exhortait à recevoir ces épreuves avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne reçois pas l'épreuve avec joie, je te le dis en vérité, tu seras déboussolé. Tu seras impatient. C'est quand tu reçois l'épreuve de la tristesse. C'est quand tu perçois l'épreuve comme quelque chose de grave. Et ça affecte tes émotions. Ça affecte ta vie. C'est là que, en réalité, tu n'es plus patient. Et le cadre, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Avant même ça, le 3 dit, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. En réalité, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que par l'épreuve, que nous soyons patients. Il veut que par l'épreuve, que nous soyons patients. Le Seigneur veut nous inculquer la patience. C'est pourquoi il nous éprouve. Et c'est pourquoi il dit ici que quoi? L'épreuve produit la patience. Le résultat de l'épreuve. Le résultat de l'épreuve. Être la patience et non l'impatience. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Entre en toi-même, là où tu es assis en ce moment. Entre en toi-même pour voir véritablement. Ce message doit te faire prendre des engagements. Si entre temps tu réagissais mal dans les épreuves, le Seigneur, il veut que tu sois transformé. Il veut que ton intelligence soit renouvelée ce soir et que tu puisses véritablement comprendre les choses spirituelles selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons aussi voir encore notre passage nombre 20. Oui, il faut aller voir. Nombre 20. T'as ton coup. 6 à 12. Après ton truc, il y a un temps. Nombre chapitre 20, verset 6 à 12. Oui. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël constataient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Là, c'est un cas de figure de Moïse même. Moïse et Aaron. Le Seigneur, à un moment donné, comme il en est de l'habitude du peuple, a véritablement pressé Moïse, a véritablement murmuré contre le Seigneur, a véritablement désobéi. Malgré tout ce que le Seigneur fait pour eux dans le désert,
Malgré tout ce que le Seigneur lui a fait, avant même le désert, le peuple encore dans ce cas de figure, ce peuple dans ce cas de figure, encore a commencé par chercher querelle à Moïse. Parce qu'il n'avait pas trouvé de l'eau. Il n'avait pas trouvé de l'eau. Et dans cet empressement, dans cette querelle, Moïse était allé devant la face du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné comme instruction d'aller devant le rocher, puis de parler. Donc, dans la frustration, dans la colère, le peuple avait tellement cherché querelle à Moïse. Le peuple mettait tellement la pression à Moïse par rapport à ce besoin de boire de l'eau que. Il dit, il convoqua le peuple devant le rocher et il dit, est-ce que, on lit le verset rapidement qui parle de ça. Après de 6, Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla, Moïse dit, prends ta verge, convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Moïse a pris la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez, regardez bien ce que Moïse dit, écoutez. Rebelle, vous faites voir les propos. Ça montre déjà qu'il a été tellement chargé. Qu'il est vraiment en colère. Qu'il est tellement pressé. Le peuple est tellement frustré. Qui dit, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons dans Exode. Au départ, quelque chose du genre s'était produit. Et le Seigneur avait donné pour recommandation à Moïse de frapper le rocher. Mais qu'est-ce qui en réalité a justifié maintenant ces propos de Moïse? Au départ, c'était seulement le peuple. Le peuple qui se rebellait à chaque fois. Mais voilà le conducteur. Qui était toujours patient. Mais quand nous lisons un peu Nombre 12, le Seigneur a donné une qualité vraiment de Moïse. Lisons rapidement pour voir. Nombre chapitre 12, verset 1 à 3, oui. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia! Amen. Nous sommes en train toujours d'axer un peu sur la patience. Voilà ce que le Seigneur a dit par rapport à Moïse. Au temps de Moïse, la Bible dit, c'est l'Éternel même qui parle. Et qui dit que la patience, la façon dont Moïse était patient, en sortant, il y avait personne qui soit patient. Parce qu'à chaque fois, il a résisté. À chaque fois, il résistait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le peuple d'Israël, ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il désobéissait, à chaque fois quand elle tombait,
Lorsque le Seigneur les éprouvait, il était aussi fait de chair. Ils pouvaient aussi tomber comme ce peuple. Ce peuple tellement rebelle. Ce peuple au cou rouide. Mais durant tout ce temps, c'est lui à chaque fois qui suppliait le Seigneur et qui essayait à chaque fois de ramener le peuple à l'ordre. Mais voilà lui-même devant le fait accompli. À un moment donné, il a lâché. Et regardez ce qu'il dit. Je l'éternel là devant le peuple. L'éternel que lui il connaît. L'éternel avec qui lui parle. L'éternel là vraiment avec qui lui il a une intimité. L'éternel qui connaît véritablement. Il dit, sous l'effet du stress, sous l'effet de la pression du peuple, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois ce rocher avec sa veste. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée bout. Et le bétail aussi. Le Seigneur a permis quand même que l'eau sorte de ce rocher. Mais est-ce que Moïse a en son temps à respecter ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur dit pas le rocher. Lui, il frappe le rocher deux fois. À cause de la pression du peuple. Il est tombé. Après avoir résisté. Pendant longtemps, il est tombé finalement. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à combien de temps toi-même? Est-ce qu'à un moment donné, toi-même, tu vas lâcher? Est-ce que toi-même, tu vas tomber dans l'impatience? Parce que le monde est en train de t'oppresser. Parce que le Seigneur permet ce que le monde t'oppresse. Le Seigneur permet des choses d'arriver. Tu résistes. Moïse n'a pas résisté. Il est tombé. Et à cause de ça, tout ce qu'il a eu à faire au départ, toute sa patience, tout ce qu'il a eu à faire, à déployer pour pouvoir véritablement conduire ce peuple dans du désert jusqu'à la terre promise, le Seigneur lui a dit qu'il ne peut pas entrer. Que de l'un seulement il va voir la terre. De l'un seulement. Parce que à la fin, il est tombé. Le Seigneur veut véritablement nous puissions résister. Nous puissions véritablement résister à plein des épreuves. Le Seigneur veut que à travers les épreuves que nous soyons encore plus matures. Le Seigneur veut aiguiser notre patience. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'épreuve. Maintenant, nous allons voir la tentation pour voir un peu la nuance et pour voir qui tente en réalité. Bon, on avait déjà dit que le Seigneur lui-même ne tente personne. Le Seigneur, il éprouve. Mais c'est le diable qui tente. Vous avez dans le Seigneur, avant même
tiens-nous compte. De parler de la définition de tout mon état, de la tentation. Nous devons savoir que la tentation a un objectif. L'objectif de la tentation n'est pas bonne. L'ennemi nous tente pour nous faire tomber. Lui, ce qu'il veut, c'est nous faire tomber. Donc c'est différent à ce que poursuit le Seigneur quand il nous éprouve, à savoir nous faire mûrir, nous rendre encore plus patients, nous quitter une étape à une autre. Mais la tentation qui vient de l'ennemi, qui vient du diable, lui veut que nous puissions véritablement tomber. Dans la tentation, il veut que nous puissions tomber. Son objectif, c'est que nous puissions tomber. C'est pourquoi il déploie tout son arsenal sur nous. Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que dans le désert, la tentation aussi fait partie du désert. La tentation aussi est notre routine. Nous serons confrontés à ça. Alléluia. La tentation, c'est la trêve vers une chose défendue. Ou déconseillée. C'est un mouvement intérieur qui incite l'homme à faire le mal. Et le Seigneur, à un moment donné dans ta marche, tu dois constater que il y a des choses qui te prennent de l'intérieur. Ça te vient à cœur. L'ennemi te met à cœur de désobéir. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que la chose est contre la volonté de Dieu. Mais ça vient de l'intérieur. Et ça te presse. Ça te presse pour te faire tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que c'est la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons aussi noter, c'est que le Seigneur nous éprouve. Mais lorsque le Seigneur nous éprouve, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, il vient avec la tentation pour nous faire tomber. Dans l'épreuve que le Seigneur, il met devant nous pour en réalité, pour notre bien, l'ennemi, lui, il intervient. Nous allons voir quelques cas. Pour voir comment l'ennemi fait. Parce que le Seigneur nous éprouve. Comment lui fait les stratagèmes qu'il utilise pour pouvoir nous faire tomber. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes en train d'écouter la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire rapidement dans 11 ans. 4 à 5 ans. Pour comprendre rapidement quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons chapitre 11, verset 4 à 5. Oui. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: que nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais on a tout nommé. Nous allons encore lire un passage rapidement. Mais attends, qui a vu pour les blés? Allons dans Jacques. Oui, Jacques, tout. Allons dans Jacques. Cette fois-ci, nous allons lire 1. Oui, 1, le chapitre 1. Nous allons lire 14 à 15. Nous avons déjà lu 13, qui nous démontre que Dieu ne tente pas en réalité. C'est l'ennemi qui nous tente. Mais là, nous allons voir d'où vient la tentation. Nous savons que le Seigneur, l'ennemi nous tente. Mais nous voulons voir une stratégie par laquelle nous tentons. Oui. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
Et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On dit que chacun est tenté par sa propre convoitise. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, il passe par la convoitise pour pouvoir t'avoir. Il utilise la convoitise pour t'avoir. Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise. La convoitise. La convoitise. Qu'est-ce que tu es en train de convoiter en ce moment? Est-ce que tu es déjà tombé dans la convoitise? Je te le dis en vérité, c'est par là que l'ennemi va prendre pour te faire tomber. Et c'est un processus. Parce que le 15 nous dit que la convoitise est là. Elle, lorsqu'elle a conçu, enfanta le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que plusieurs personnes convoitant la femme d'autrui sont décédées. C'est un processus en réalité. Mais ça vient du diable. Donc, ce que nous avons lu dans Nombre, ça montre que le désert dans lequel ils étaient, la difficulté, la chaleur, le manque de nourriture, il préférait Égypte que le désert. Égypte où ils étaient esclaves de Pharaon. Où ils n'avaient pas la liberté, ils étaient flagellés. Au moins ils avaient de la nourriture, ils mangent. Donc ils ont fait une comparaison rapide entre l'esclavage en Égypte et la liberté dans le désert. Et dans leur cœur, ils préfèrent la liberté, ils préfèrent l'esclavage. Que la liberté dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il est en train de parler à toi. Ils ont commencé par convoiter. Par convoiter ce qu'ils mangeaient. Ils ont commencé par convoiter. La convoitise est déjà là. Et nous allons voir que c'est ça qui les a poussés à tomber dans l'épreuve. Quand ils avaient fait dans Exode 17, 1 à 7. Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'il avait tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est-il pas? Alléluia. Amen. Donc au départ, nous avons expliqué et dit
que le Seigneur a permis à ce qu'ils passent par le désert pour pouvoir les préparer. Pour pouvoir les préparer. Et en réalité, il les a permis encore de passer par le désert afin de pouvoir les éprouver. Le Seigneur, il les voit. Il les voit et comme ça, dans sa grandeur, il les a fait sortir du peuple. Normalement, ce qui serait bien, c'est la reconnaissance de ce peuple à l'égard de Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Donc le Seigneur les a fait passer par le désert également pour les éprouver. Et en même temps, la première épreuve, on sait que quand on parle de désert, il n'y a rien, il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas de l'eau. Ce n'est pas une bonne atmosphère. Il y a la chaleur. Ils ont commencé par murmurer. Pas chercher querelle. Parce que tout simplement au départ, ils avaient toujours en tête. Ils convoitaient toujours ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient l'habitude de manger en Égypte, oui, à savoir les variétés de mets, les concombres, les melons, les poivrons, les oignons, et etc. Donc, vice versa. Et dans cette épreuve, par la convoitise, l'ennemi les a eus. Et ils sont tombés. Ils ont commencé par chercher querelle. Ils ont commencé par murmurer. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont savoir que dans l'épreuve, l'ennemi il profite. L'ennemi, il veut profiter. Donc, tu dois s'intéresser. Véritablement être debout afin de pouvoir résister. Tu dois résister à la tentation du diable. C'est ce que nous dit Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Qui dit Jacques, chapitre 4, verset 7. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il va fuir loin de vous. Bien aimé dans le Seigneur, as-tu résisté jusqu'au sang? Est-ce que tu as déjà résisté au diable jusqu'au sang? Ou bien quand ça, l'épreuve vient, la tentation vient rapidement, tu es déjà à terre, tu tombes dans les murmures. Tu murmures contre le Seigneur. Ah, je suis chrétien. Oui, vous m'avez prêché l'évangile de la bonne nouvelle. Vous m'avez dit que nous sommes dans la sainte doctrine. Et comment je peux être dans la sainte doctrine? Et je peux encore avoir toutes ces choses. Toutes ces choses. Toutes ces situations difficiles. Je suis dans la sainte doctrine. J'ai des diplômes. Je n'ai pas d'emploi. Je suis dans la sainte doctrine. J'ai un emploi. Mais c'est le pain de douleur. Pour que je puisse trouver quelque chose, il faut qu'en réalité je puisse travailler jusqu'au sang. Je suis dans la sainte doctrine. J'ai ci, j'ai ça. J'ai toujours des oppressions. Satanique. Comment ça peut être possible? Mais dans le Seigneur, tu dois s'intéresser. Tu dois résister. Et c'est ce que le Seigneur lui-même nous a fait. Il a résisté au diable. Lui étant Dieu, venu sur la terre, prenant une enveloppe corporelle, a résisté jusqu'à ce que l'ennemi affluent de lui. Et nous allons voir comment notre Seigneur, il a procédé
Parce qu'avant même de commencer le ministère, Dieu a voulu en réalité éprouver le Seigneur. Il a voulu éprouver Jésus-Christ son Fils. C'est pourquoi il a pris par le désert. Et juste après le jeûne, nous avons vu comment, nous allons voir comment Satan a voulu s'interposer. Pour le faire tomber, pour le faire échouer dans sa mission. Gloire à Jésus. Alors dans Luc, il y a aussi Matthieu 4 qui en parle. Matthieu, mais Luc 4 donne encore plus de détails. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus. Oui, Luc. Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Judée. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il a été tenté dans le désert par le diable. Étant roi des rois, Seigneur des seigneurs, il a été tenté. Et le Seigneur, il a été tenté par le diable. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Mais tu seras tenté. Tu seras tenté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage nous révèle beaucoup de choses. Et nous allons prendre quelques éléments pour comprendre. Le Seigneur Jésus, dans le désert, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et la Bible dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Amen. Il nous fait. Après 40 jours, 40 nuits de jeûne. Mais c'est normal, il nous fait. Étant dans un enveloppe corporelle, le Seigneur pouvait également sentir tout ce que l'homme peut sentir. Alors le Seigneur pouvait dormir comme l'homme, comme un homme. Il pouvait ressentir la douleur, etc. etc. Mais dans toutes ces choses, il n'a pas péché. Gloire à Jésus. Amen. La cave Jésus. Dans toutes ces choses, il n'a pas péché. Alléluia. Amen. Et lorsque il fait, la Bible dit, la première tentation qui lui a été donnée a été relative à son besoin. Du paiement. Parce que 40 jours, 40 ans, c'est pas facile. Il le fait. Et c'est normal. Oui, la Bible dit, si tu es fils
de Dieu ordonne que cette pierre devienne du pain. Tout simplement parce que quoi? C'était le besoin réel de Jésus. En ce moment, c'était de manger. Et c'est pourquoi Satan n'a pas dit une autre chose. Il est allé directement au manger. Parce qu'il sait que c'est son besoin de l'instant. C'est son besoin présent de l'instant. Bien-aimé dans le Seigneur, une des choses par lesquelles l'ennemi nous tente, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton besoin maintenant. Donc, assis là où tu es, toi-même, tu sais de quoi tu as besoin maintenant. Là où tu es assis là. Toi-même, tu sais, ton cœur te dit ça. Je te le dis en vérité, à plusieurs pourcentages, à plus de 50%, tout sera d'abord plus compté par rapport à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as besoin d'un travail là où tu es, je te le dis en vérité, l'ennemi va te proposer, c'est-à-dire des travaux qui vont te faire perdre, dont le Seigneur ne se glorifie pas dedans. Parce que toi, tu as besoin de ça pour évoluer, pour survenir à tes besoins. L'ennemi va prendre par là. Si ton souci, ton besoin pressant de cet instant, c'est de te marier. Si tu es un homme, tu vas voir les cas. L'ennemi va t'amener des hommes façons, des hommes travaillent spirituellement. Des femmes, voilà, travaillent spirituellement pour pouvoir te faire tomber. Parce que c'est ton besoin de ce testament. Bien-aimé dans le Seigneur, cette attention peut venir de façon générale. Et l'ennemi également peut aussi tenter l'église. Parce que le besoin de l'église, c'est d'amener des âmes dans la bergerie. Et il faut qu'on soit plus nombreux pour adorer et glorifier le Seigneur. C'est ça le besoin. Le besoin de l'église dans sa volonté veut sauver beaucoup d'âmes. Sachant que l'ennemi va faire infiltrer des gens dangereux dans l'assemblée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons véritablement faire attention. Ce n'est pas mauvais d'avoir des besoins. Mais nous devons être sur le qui-vive. Par le Saint-Esprit, pour pouvoir véritablement sonder. Afin que par ce besoin-là, nous ne puissions pas tomber. Jésus-Christ avait faim. La première chose que le diable dit, voilà ces pierres. Tu es fils de Dieu. Il faut les transformer. Pour manger, pour sauver son ton désir. Mais qu'est-ce que le Seigneur il a dit? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous ne vivons pas seulement du pain physique, mais de toute parole. Si tu as le pain physique et tu n'as pas le pain spirituel, tu n'as pas la parole de Dieu, tu qui es Jésus-Christ, tout avoir dans ce monde, en réalité tu as raté. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont l'habitude de dire qu'ils ont raté leur vie. Quand ils font un bilan rapide, ils voient le diplôme qu'ils ont, ils disent que je n'ai pas encore d'emploi, ou bien j'ai pas encore d'emploi lié, ce que je fais n'est pas lié encore au plus grand diplôme que j'ai. Je n'ai pas encore construit, alors que les gens avec qui j'ai fréquenté sont à un autre niveau. Et quand l'homme, de façon générale, l'homme Chanel fait ce bilan, il se dit qu'il a raté sa vie. C'est comme ça l'homme en est, sa réflexion de l'homme est. On pense qu'il a raté la vie parce que
Notre cœur attaché aux choses de la terre seulement. Tu peux avoir toutes ces choses. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus, qui est la parole, sache que tu as raté ta vie. C'est ça, moi j'appelle rater sa vie sur la terre. Mourir sans avoir le Seigneur Jésus. Tu peux voyager entre deux avions. Tu peux être président de la République sans Jésus-Christ de Nazareth. Tu as raté ta vie sur la terre et tu vas tomber en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi également a dit, dans le 5 dit, le diable l'ayant levé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute sa puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure façon également de révoquer, de résister aux tentations que l'ennemi nous envoie, c'est d'être imbibé de la parole de Dieu. Christ était la parole. Il connaissait la parole. C'est pourquoi facilement il pouvait renverser. Vous pouvez renverser les semences que l'ennemi était en train de lui envoyer. Bien-aimé, si tu n'es pas imbibé dans la parole de Dieu, sache que tu vas être broyé par la tentation. Que le Seigneur t'épargne de ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est désolant de voir comment aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, ils sont prêts en réalité à livrer, vendre leur âme au diable, à se prosterner devant l'ennemi qui n'est pas Dieu pour les choses de la terre. Ainsi, plusieurs personnes, ils entrent dans les loges sectaires, ils font des pactes de sang pour pouvoir avoir la gloire, pour pouvoir avoir de la popularité. Mais ce n'est pas une fin en soi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit, lorsque l'ennemi, le diable, t'offre un chapeau, c'est-à-dire te gratifie, quand il te donne un chapeau, sache que c'est ta tête qu'il est en train de convoiter. Il ne va pas reprendre le chapeau. Mais sache que c'est ta tête qu'il va prendre. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Et également, nous devons la mentalité, la logique dans laquelle nous sommes. Nous devons véritablement inculquer à nos enfants ces genres de choses pour que lorsqu'ils sont en train d'évoluer, qu'ils ne puissent pas tomber dans ces choses. Parce que l'école aussi va tendre à les éduquer. Quand ils quittent l'école pour venir à la maison, ils passent dans une ruelle. La rue aussi peut tendre ce qu'ils voient. Ça peut en réalité faire en sorte qu'ils se perdent. Qu'en grandissant, qu'ils puissent véritablement chercher à s'en sortir par d'autres moyens. Des moyens qui ne sont pas licites. Le Seigneur ne veut pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit encore, après avoir échoué devant le Seigneur Jésus, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'il te garde. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre aussi, c'est que le diable,
Il connaît très bien la parole de Dieu. Et c'est l'inverse de cette parole qu'il vient te présenter. Et quand tu tombes dedans, il sait que le châtiment est bien là. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la Bible. Bien-aimé, il connaît la Bible. Peut-être mieux que toi. C'est pourquoi en toute chose, tu dois véritablement mûrir dans la parole de Dieu. Et connaître véritablement, tu dois prier pour que le Seigneur te révèle ce qu'il en réalité ce qu'il met dans tel verset. Tu dois prier pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Sinon tu peux tomber. Parce qu'il t'a déjà présenté beaucoup de choses. Ton besoin que tu as là, il est venu par rapport à ça. Et tu l'as renversé, il a échoué. Il t'a présenté les biens de ce monde. Tu as refusé. Maintenant, il va te tenter en te disant de faire quelque chose. En te montrant un verset que c'est Dieu même qui a dit ça. Oh, peut-être que ce n'est même pas dans ce contexte. Mais dans le Seigneur, c'est comme ça beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens tombent. L'ennemi peut venir te voir pour dire dans ton église, là où tu vas, vous êtes dépouillé, j'ai remarqué. Quand vous êtes l'ennemi, va prendre peut-être pas quelqu'un pour dire ça. Pour dire les mèches et autres, vous ne portez pas. Les boucles d'oreilles, la boucle sensible, vous ne portez pas. Mais est-ce que tu sais qu'un verset qui dit, je vais prendre exemple un verset, Tite 1:15, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un exemple que je donne pour te faire tomber. Oui, il peut dire ça. Tite 1:15, il peut dire par exemple ça, il peut prendre ce verset pour te montrer qu'en réalité, histoire de mèche, quand tu ne mets plus là, c'est un faux problème. Quand tu dois rapidement retourner dans tes choses, je ne considère pas ça. Vous pouvez lire ça rapidement. Oui, il y a un problème. Titre chapitre 1, verset 15. Oui. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Voilà, le diable va te dire ça. Ne lisez pas le reste. Il peut te montrer ce verset pour te dire que quel qu'en soit ce que tu mets dans ton corps, puisque toi tu as déjà l'intention de pureté, puisque toi tu sais que tu obéis au Seigneur et tu te sanctifies toujours dans le sang de Jésus, tu es blanchi dans le sang de Jésus, il va te donner ce verset. Tout est pur. Tu penses que c'est pur, non? C'est déjà pur, c'est pas souillé. Alléluia. Amen. Voilà comment l'ennemi, il tord la parole de Dieu. Afin de pouvoir nous faire tomber dans la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons, dans le désert, nous devons véritablement prendre garde à nous-mêmes. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore voir quelques passages. Rapidement, nous sommes en train de finir. Nous allons voir un cas dans Genèse 39. Maintenant, à partir de votre cas de tentation dans Genèse 39, 1 à 13. Disons 1 à 13 ou bien bon, lisons. Ah, pas de 4, peu de rapide. Genèse chapitre 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. À 12, quoi. Oui. Qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait,
et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissant de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Est-ce que nous sommes là? Que nous t'achetons fille. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire de Joseph. Autant Joseph, toi. Qui a été vendu par ses frères. Et qui, par la grâce du Seigneur. A été vendu plus tard en Égypte. Histoire Égypte. Et maintenant, le Seigneur a fait en sorte. Parce que le Seigneur avait un plan pour lui. Le plan qu'il avait pour Joseph. Parce que le Seigneur, étant maître des temps et des circonstances, savait que dans quelques années, à un moment donné, il y aura sécheresse. Sur toute la terre. Et pour que la nation que lui-même a établie, parce que le papa de Joseph, parce que le père de Joseph, qui est devenu après Israël, et qui a fait, qui a les 12 enfants, qui ont formé la tribu, les 12 tribus d'Israël, pour que cette cité, pour que Israël ne puisse pas mourir de faim, non, Israël m'a coupé, et puisse subsister, le Seigneur a permis à ce que ses frères vendent Joseph. Et le Seigneur conduisait Joseph dans les difficultés jusqu'à dans la maison de Potiphar. Et voilà ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Bon, son maître qu'il a mis dans la maison. La femme de Potiphar a voulu de Joseph. L'ennemi a pris par lui pour que le plan initial que le Seigneur avait destiné à Israël, que ça ne puisse pas s'accomplir. Parce que quand Joseph va succomber à la tentation, c'est fini. On parle de la femme de Potiphar. Je sais que nous avons l'habitude de lire ce passage. Mais est-ce que nous avons déjà sondé? On parle de la femme de Potiphar. Hein? Regardez, c'est dit, on peut voir la beauté. On peut voir la façon dont elle est. Mais elle est allée voir Joseph pour le presser à coucher. Pour l'amener dans l'impudicité. Et je vous le dis en vérité. La Bible dit dans le 10 qu'elle parla tous les jours à Joseph. Elle refusa de coucher. Il refusa de coucher auprès d'elle. D'être avec elle. La femme de Potiphar proposait à Joseph tous les jours. C'était sa chanson. C'est pas une, deux, trois fois. Tous les jours. Mais il a résisté. En faisant quoi? Il a fui. Il a fui. 12. Qui dit, elle le saisit. À un moment donné, lorsque le monsieur, le Joseph, a commencé par refuser,
La femme a voulu utiliser un peu la force. Et la Bible dit que la femme le saisit par son vêtement. La saisit comme ça. Elle a dit, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des types de tentations. On ne réfléchit pas. Surtout par rapport au péché d'impudicité. C'est pourquoi nous dénonçons ici le copinage. Tu ne peux pas être dans le copinage. Elle dit que non, je vais rester avec ma copine et c'est après le mariage qu'on aura des intimités. Il faut fuir ça. Il ne faut même pas entrer dedans. Tu ne peux pas être dans le copinage. Et tu vas dire que ah non, tu ne peux pas prétendre fuir l'impudicité étant homme. Et toi, tu te dis, tous tes amis là, tes amis chaud là, auquel tu es, un, c'est les femmes. Bon, je te le dis en vérité, ou bien l'inverse. Tu ne peux pas être femme et prétendre fuir l'impudicité. Tu as des intimités, c'est dit, il y a des choses même que tu ne dois pas dire et c'est uniquement tes vrais amis là, c'est uniquement les hommes et tu es tellement rapproché d'eux, serré, quand on te voit, on les voit aussi. Tu ne peux pas prétendre sur l'impudicité et dire que non, ce monsieur c'est mon ami vrai. Et tu vas chez lui et vous enfermez et tu dis que tu fuis l'impudicité. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas tomber. La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité, surtout les péchés qui sont liés au sexe. Surtout les péchés qui sont liés au sexe. On fuit tout simplement. Et nous devons faire comme Joseph, qui a dit dans le verset 9, lorsque la pression était intense, comment ferais-je si grand mal et pécherais contre Dieu? Il a crié, comment vais-je faire ça? Comment vais-je faire si grand mal? Comment vais-je faire ça? Il est dans le Seigneur, à des moments donnés, l'ennemi peut venir pour te mettre à l'idée que la masturbation que tu as déjà abandonnée, quand tu es seul dans ta chambre ou bien quand tu es en train de te laver, il va te mettre à cœur de te masturber. Il va te rappeler les films pornographiques que tu as l'habitude de regarder avant et il va te dire de te masturber. Faut crier, comment vais-je faire ça? Comment vais-je faire ça? Comment vais-je pécher, commettre un si grand péché contre Dieu? Tu vois que l'intention va quitter. Alléluia. Amen. L'intention va quitter. Gloire à Jésus. Pour finir, nous allons voir brièvement l'histoire de Job. On ne va pas lire. On va lire quelques versets. Job. Rapidement. Tout Job, mais. Donc, par rapport à Job, le Seigneur, au plus haut, il savait, c'est dit, Job en son temps était intègre. Job, et c'est ce que le verset 1 nous dit, il était intègre et droit devant le Seigneur Jésus. Et il se détournait du mal, selon la parole de Dieu. Lorsque les enfants de Job s'asseyaient pour manger, le Seigneur, Job allait souvent chez le Seigneur, devant la face du Seigneur, pour demander la clémence, la miséricorde. Si entre temps ses enfants n'ont pas dit quelque chose, blasphémé le nom du Seigneur, donc il est en droit devant le Seigneur jusqu'au moment où l'Éternel, voyant Satan était en train de parcourir la terre, lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça c'est dans le verset 8, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, 10 dit, n'as-tu pas protégé
sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis celui qui te maudit en face. Donc, le Seigneur a mis Job à l'épreuve. Au cours de quoi Job fait tes pommes. Et dans cette épreuve, l'ennemi est venu pour pouvoir véritablement tenter Job afin de pouvoir le faire tomber. Donc dans le discours, il disait au Seigneur que non, il est intègre. Parce qu'en réalité, Satan voulait à l'intégrité. Et Dieu voulait véritablement prouver que l'intégrité de Job, c'était désintéressé. C'était l'intégrité désintéressé, qui n'est pas attaché au bien qu'il avait. Mais Satan voulait démontrer le contraire. Et le Seigneur, il a permis quand même à l'ennemi de toucher à tous ses biens pour voir si en réalité Job allait résister. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 13 jusqu'à 17, 18 par là. Quand vous serez à la maison, vous allez lire pour mieux comprendre. Et ce que Job avait comme bien, le Seigneur a ôté sa main de protection. Et l'ennemi a commencé par ravager ces choses. Enfants, bœufs, bétail, plantations, tout a été détruit. En ça, la Bible dit dans le verset 20 que Job n'a pas péché. Comme le Seigneur, il a déchiré son habit, il s'est prosterné, il a dit : je suis venu nu, nu du sein de ma mère, nu je retournerai. Et la Bible dit dans le verset 22 : en tout ceci, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. Donc, il a réussi la première étape. Après, l'ennemi est encore venu pour dire à Dieu, voilà, nous avons pris toutes ces choses, nous avons détruit ces choses. Mais puisqu'on ne l'a pas encore touché, chair pour chair, os pour os, c'est pourquoi il résiste toujours. Le Seigneur lui a permis aussi de toucher à sa santé. Et l'ennemi l'a frappé par un ulcère malin. Et nous avons vu que dans cet empressement, quand nous lisons le verset 9, dans cette épreuve, l'ennemi a pris par sa femme pour le tenter. Il dit, demeures-tu ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Qu'est-ce que Job a dit? Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et ne recevons pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point comme le Seigneur. Alléluia. Bravo Seigneur Jésus. Amen. Donc dans cette épreuve, l'ennemi a pris pas sa femme pour lui dire pourquoi tu es intègre comme ça, pourquoi tu es obéissant comme ça. C'est ainsi que toi-même dans l'épreuve, l'ennemi, tu résistes. L'ennemi vient dire, tu te mets à cœur, voilà ce que tu fais. Tu es toujours intègre. Voilà, tu es dans la sanctification. Toujours dans la sanctification. Mais voilà, tu n'as pas d'emploi. Tu as des difficultés à manger. Et tu te mets toujours dans la sanctification. À cause de choses-là, de la sanctification, tu as refusé un travail. Un travail qu'on t'a trouvé. Mais l'exigence du travail, c'est que tu es à l'accueil et tu dois te présenter avec mini jupe. Tu as faim. Et c'est à cause de mini jupe que tu as fait. Mais porte mini jupe là, porte la vie qu'on te dit de porter au travail. Sinon, tu vas rester affamé. Tu mets dans ta sanctification. Etc. Voilà comment ça va venir. Surtout pour chaque debout. Parce que
Dieu nous connaît. Et il sait comment il va faire. Et le Seigneur, l'ennemi également nous surveille. La Bible dit qu'il rôde. Il connaît comment nous agissons. Et c'est par rapport à toutes ces choses qu'il va venir pour nous faire tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions véritablement résister. Lorsque la tentation va venir au moment des épreuves, le Seigneur veut que nous puissions demeurer intègre, demeurer toujours dans la voie que le Seigneur nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, alors comment nous pouvons surmonter la tentation et les épreuves? Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur quelques éléments. 1 Corinthiens 10, 13, d'abord, lisons rapidement. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre ce passage. Ce passage nous dit que quoi? Dans la tentation déjà, avant même que la tentation soit là, le Seigneur y a déjà prévu. D'abord, il n'y a pas. D'abord, c'est que c'est un peu comme nous avons déjà la victoire. Nous avons d'abord la victoire. Avant même d'être tentés, nous sommes plus que victorieux. Parce que déjà, nous sommes au-dessus de toutes les tentations. C'est, le Seigneur nous a donné ça gratuitement. Aucune tentation n'est survenue qui n'a été humaine. Nous ne pouvons jamais être tentés au-delà de notre force. Le Seigneur ne permettra jamais ça. Voilà. Quand nous devons saisir ce verset, vous savez que, quel qu'en soit ce dans quoi je suis, la chose n'est pas si difficile. Pour me faire tomber, le Seigneur a déjà prévu des choses. Il a déjà prévu des stratagèmes. Pour que je puisse sortir de ça, la victoire est déjà là, c'est garanti. C'est déjà là. C'est un peu comme les agissements du diable aujourd'hui. Qui tend toujours à nous tailler. Alors qu'il a été déjà vaincu depuis 2000 ans. Alléluia, c'est ça. Nous avons déjà la victoire. Et nous marchons dans la victoire. C'est ainsi aussi par rapport aux tentations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque les moments d'épreuve viennent, nous devons cultiver la patience. Parce que ces épreuves viennent pour véritablement aiguiser notre patience. Et la Bible dit dans Jacques 1, 12, qui dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien aimé, l'espérance de notre salut, la couronne de vie, voilà l'espérance que nous avons de pouvoir recevoir cette couronne de vie, de pouvoir entrer dans la félicité céleste. Voilà des choses qui doivent nous donner le courage, qui doivent nous donner de la force. Tant bien même que tout semble être difficile, tant bien même où tout semble être noir, quand nous pensons au royaume, quand nous pensons à Jésus-Christ, quand nous pensons que nous allons régner avec lui, ça doit nous donner encore de la force, ça doit nous tonifier, ça doit nous booster notre élan dans cette marche dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également savoir que pour résister, nous devons cultiver également la crainte de Dieu en nous. La crainte de Dieu en nous. Pour
pouvoir résister. Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur nous met à cœur à partager avec vous par rapport aux tentations et aux épreuves. Et je suis sûr que le Seigneur, qui est lui-même le Saint-Esprit, dans nos méditations quotidiennes, il va approfondir encore cela davantage. Mais ce qu'il nous a permis d'avoir ce soir, ça dégage quelque chose en nous qui t'a nous fait comprendre l'enjeu de la chose, qui t'a nous fait résister, qui t'a nous fait préparer lorsque ces moments vont venir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Seigneur, merci pour ce moment puissant que tu nous as accordé, parce que avant même de parler au peuple, tu m'as parlé à moi-même. Parce que Seigneur Jésus, certainement il y a beaucoup de choses que tu as dit au travers de moi, que moi-même je dois appliquer pour ma vie afin de résister. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, accorde à ce que Seigneur ton peuple ne soit pas, Seigneur, des écouteurs oublieux, mais qu'ils reçoivent cette parole avec joie et que cette parole produise de grands fruits dans leur vie au nom de Jésus. Père, glorifie puissamment ton nom dans notre vie et que le réveil se poursuit dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au-delà même de notre entendement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur pour ce message. Alléluia.